Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo en rapport avec Destiny 2 et c'est avec un très grand plaisir que je vous présente le nouvel espace social. Donc son nom est La Ferme et il nous est présenté tout simplement par Destin Legary qui est producteur chez IGN et Ryan Ebenger qui est directeur narratif chez Bungie. Donc dans un premier temps, vous pouvez apercevoir un éclat de la coque du voyageur au fin fond de l'espace social. Observez-moi ces couleurs, ces graphismes, c'est juste magnifique. Donc forcément, c'est très très beau, ça donne envie. Et donc ce nouvel espace social va nous présenter quelques-uns des prochains personnages que nous allons découvrir dans Destiny 2. Donc je pense que tous les personnages ne sont pas au rendez-vous pour cette petite découverte qui dure 4 minutes au total. Mais on peut apercevoir déjà dans un premier temps l'un d'entre eux qui sera le retour du commis des postes. Son petit nom est Darby5530 et il remplace notre bon vieux Caddy5530 qui ne sera donc pas de retour sur ce nouvel espace social. Alors il reviendra peut-être par la suite puisque Luke Smith nous avait annoncé que certains personnages seraient absents au début du jeu et reviendraient un petit peu plus tard dans Destiny 2. Donc on aperçoit au fond les vaisseaux qui vont tout simplement amarrer au plein cœur de ce nouvel espace social. Donc c'est la petite nouveauté. On avait l'habitude de se suicider en allant prendre nos vaisseaux qui avaient tendance à amarrer aux abords des espaces sociaux, donc sur les récifs et sur la tour. Cette fois-ci, les vaisseaux vont amarrer tout simplement en plein cœur de la tour sur une petite plateforme. C'est la petite nouveauté qui fait vraiment plaisir dans ce nouvel espace social. Un autre personnage également est au rendez-vous, c'est le Cryptarch. Alors il ne s'agira pas de notre bon vieux Cryptarch, mais de Tyrakarn qui quitte tout simplement son temple de fer pour rejoindre la ferme et venir nous aider à poursuivre notre quête et notre décryptage d'engrammes sur Destiny 2. Donc outre le retour de Tyrakarn, et ça c'est la petite nouveauté très sympathique, vous allez voir, il y a plusieurs zones dans cet espace social, comme par exemple ici un bâtiment avec un gros vaisseau central que vous pouvez rejoindre et auquel vous pouvez avoir accès également sur les côtés et sur les hauteurs par des escaliers. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a plusieurs zones à découvrir dans cet espace social et ça c'est plutôt sympathique. On a également ce petit coin dans lequel on aperçoit une armée de Lord Shax. Donc le Seigneur Shax n'est pas de retour visiblement sur cet espace social, peut-être qu'il reviendra par la suite un petit peu plus tard, mais on peut néanmoins apercevoir une armée de robots qui portent ses couleurs. Autre petit fait très sympathique sur ce nouvel espace social, nous pourrons y rencontrer des poules. Et oui, des poules, non pas des loups ou d'autres animaux impressionnants, mais bien des poules. Et oui, c'est la petite nouveauté de cet espace social. Il y a également une autre nouveauté très sympathique, l'apparition d'un terrain de foot grandeur nature cette fois-ci, avec de vrais buts pour faire de vraies bonnes parties qui s'allument en couleur et font de petites étincelles lorsque l'un des gardiens met un but. Donc ça, c'est pour le petit côté fun fact, mais je pense que certains d'entre vous vont passer quelques heures entre deux arrivées dans ce nouvel espace social à étrenner ce nouveau terrain de foot. Donc voilà, c'est tout pour les petites nouveautés, on a fait le tour de ce nouvel espace social. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à réagir, à me faire part de votre point de vue. En ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, je le trouve magnifique cet espace social et j'espère que d'autres surprises nous sont réservées, comme notamment l'apparition d'autres personnages. J'espère en tout cas que d'autres surprises nous attendent pour ce prochain espace social. J'espère que la vidéo vous a plu, si tel est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à la partager et quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres infos et d'autres vidéos sur Destiny. Ciao tout le monde !